Coucou les chats, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo. Donc, je voulais parler de mon chat. Mais comme il a beaucoup grandi, on lui a acheté de nouveaux jouets, de nouvelles choses et beaucoup de nouvelles choses à vous montrer. Comme les croquettes, ce n'est plus des croquettes de bébé, bon, j'en jette encore un peu. Mais voilà. Donc, sa gamelle, c'est toujours la même, ça. Il tire pareil, mais elle a beaucoup de choses de nouveau. Par exemple, un lit, un carton avec des jouets. Bon, il y avait un grifoir qu'elle avait, mais je ne vous ai jamais montré. Donc voilà pourquoi je vais vous le montrer aujourd'hui. Et je vais vous montrer mon chat, comment il a grandi depuis ce temps-là. Maintenant, il a une pièce. Donc c'est beaucoup plus agréable pour lui et pour sa litière. Donc pour commencer, bah, je vais vous montrer ses jouets. Donc, ouais. Donc, mon premier jouet, c'est un stylo. Donc, je m'en sers pour écrire, mais quand j'écris, elle veut jouer avec. Voilà. Comme vous pouvez le voir, elle essaie de l'avoir. J'ai plus que le bouchon, alors c'est très dangereux pour elle. Coton! Voilà. Elle me griffe. Pour avoir son jouet, mais je me remets juste le bouchon. Voilà. Tu peux jouer avec. Je vous présente, c'est un jouet Père Noël, enfin, un stylo Père Noël plutôt. Il est dingue de ça. Sérieusement, je te mets un carton à jouer. Donc, quand je veux la faire sortir quelque chose, c'est très facile. Il y a juste à avoir un Père Noël, stylo au-dessous de ci-dessous. Regardez, regardez, regardez. Elle sort, elle sort, elle sort. Et hop, tu vois là? Et genre, là, je le... Genre, voilà. Après, elle a des doudous, hein. Des chers doudous. Donc, lui, c'était un doudou quand j'étais petite et qui s'appelait Florona. Donc, je l'appelais comme ça. Bon, maintenant, elle l'appelle Miaou, hein. C'est pas la même chose, mais tant pis. C'est un petit jouet que je vais lui donner. Ouh. Alors, c'est pour la faire sentir, à chaque fois je vois un truc. Bon, après il y a une balle. J'ai plusieurs types de balles. J'en ai deux autres aussi. J'en ai une molle, une avec du sable et une balle de tennis avec écrit son nom. Donc là, dur, hein. C'est pas une dure. Enfin, il y a du sable. Non. Celle-là, bah, c'est la normale, la balle normale, hein. Et je vais prendre l'autre. C'est exactement la même, mais elle est plus flexible. Comme ça. Genre, vous pouvez l'aplatir. Je vais lui envoyer. Après, je ramasserai tout. Donc, après, il y a ça. C'est la balle du sable. Il y a du sable à l'intérieur. Et la balle de tennis, que vous connaissez. Par contre, ça, elle aime bien. Enfin, là, elle réagit pas. Mais tant pis. Après, on a des souris en plastique. Une souris noire et une souris rose. Donc la rose, c'est celle de maintenant pour les chats de son âge. Donc petit extrait. Est-ce que vous voyez? Je sais pas si je fais ça, genre. Et bon, je vais voir. Genre comme ça. Attendez. Ouais, là, j'ai arrêté, vous voyez, mon chat avec les yeux laser là-bas. Genre, trop bizarre. Mais tant pis. Voilà, donc. Voilà. Et après, il y a sa souris noire. Donc une souris basique, c'est pareil, enfin, je dirais plutôt que c'est un rat, que c'est donc cul comme ça, mais j'en vois. Puis après elle a d'autres doudous, tout à l'heure je vais vous montrer le doudou basique que j'avais quand j'étais petite, après elle a ça, c'est tout récent.
c'est une petite peluche que je peux lui envoyer facilement. Bon, des fois, elle a peur, des fois, elle a attrapé. En parlant de peur, donc c'est un dessin animé qui s'appelle Vice Versa. Et dedans, il y a un dessin, un personnage qui s'appelle Peur. Voilà. Et c'est celui-là. Et je l'ai en doudou. Et malheureusement, je vais donner parce que je l'aime plus. Voilà. Après, on a trois types de doudou. D'accord. On a trois types de jouets. On a encore une peluche. Qui s'appelle les Tsum Tsum en peluche. Voilà. Donc je lance. Hop, va chercher. Et après, il y a ça. Qui est comme bon, normalement, c'est pour les chiens. Mais c'est récent. Je suis en train de boire du lait, sérieusement. Depuis tout à l'heure, j'en vois ça. Et puis il y a ça. Comme ça. Et voilà. Donc en fait, je pense que le truc qu'elle aime le moins, c'est celui-là. Donc je vais le mettre sur. Ah, il y a un jouet. Youpi. Alors là. C'est un truc comme ça. Vous appuyez à haut. Comme ça. Vous appuyez là. Et regarde sa tête qui gonfle. Donc après, il y a ce nouveau truc, c'est son lit. Donc c'est un matelas, comme vous pouvez voir, avec un petit plaid où elle fait pipi dessus, mais non mais. Après, elle a des cartons. Un carton Haribo, hein, comme toujours, parce que je suis gourmande. Et j'ai réussi à avoir ça. Donc son griffoir, qu'elle a depuis bébé. Elle l'aime trop, hein. Après, il y a sa gamelle avec son eau et ses croquettes. À côté, il y a le lait dans un petit bol. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Vous avez rien compris, se trouve. Donc, il y a du lait dans un petit bol. Et puis, à côté, il y a les deux trucs. Enfin, il y a de l'eau et à côté des croquettes. Donc, et là, il y a sa laitière. Donc, qui est blanche. Une tire basique. Bon, il met des graines partout, par contre. Ça, c'est basique aussi. Et là, voilà. Genre, on voit qu'elle va vous tuer. Genre, qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais la caresser comment? Avec ça, genre. Regardez. Tchac, 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 tchac. Bingo, bla, 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 bla. Elle est marave. Genre, on va lui enlever une balle. Et un doudou. Et genre, ça, genre, mais ça mouille une souris. Genre, regardez, elle est dans le carton de jouet. Wouhou! Elle a une bug, elle est nulle. Et j'ai mangé ça. Voilà. Oup! Et il y a du jouet. Ça, je n'ai pas le montré. Récemment, je l'ai eu récemment. C'est une panthère rose qui joue au foot. Et qu'on peut articuler. Donc. Pour elle, pour pas qu'elle l'avale, des bouts de fer et tout. J'essaye de faire au ralenti un peu. Comme ceci. Qui soit tout petit. Pour que ça fasse une genre de boule et qu'elle l'attrape. Donc enfin, je vais vous la montrer à elle. Vous dire sa date de naissance. Voilà. Donc, c'est Coton. Elle s'appelle Coton. Elle est née le 17... Mais, le 17 mai 2020. Et maintenant, donc, si je dis 17 mai, 17 juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc, ça fait, elle a 10 mois. Elle a 10 mois. Dans 2 mois, elle aura 1 an. Et vas-y. Donc, mars, avril, ouais, 2 mois. Mars, avril, dans 3 mois. On l'a eu à 2 mois. On l'a eu le 17 juillet. Ça faisait à peine 3 mois. Elle avait à peine 3 mois ce jour-là. Le 17 juillet 2020. Et j'ai fêté la nouvelle année avec. Et Noël, non, parce que j'étais chez ma mère, mais je l'ai fêté avec mon poisson rouge. C'était très amusant parce qu'il dormait, sérieusement. Genre,
La voilà qui est montée sur le. Descends là. Descends. 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 On va pas descendre. Et on va lui envoyer un truc. J'espère qu'elle a pas compris le système, genre. Ça marche, c'est bon. Alors, voilà. Et après, est-ce que je pourrais vous dire d'autres? Dans 2 mois, elle a 1 an. Et je suis très fière d'elle. Elle est propre. Par contre, elle n'est pas vaccinée, stérilisée. Bon, elle a jamais de puce. Enfin, quand elle était bébé, j'avais compté 97 puces dans ses poils. Donc, presque 100 puces. Donc, c'est vraiment pas cool. Descends! Descends! Je vais lui envoyer tout pour qu'elle descende, genre. Sérieusement? Je vais être obligé de lancer sur elle, hein. Non, même pas, j'ai même pas en lancer sur elle en plus. Ouais. Ah non, je croyais qu'elle avait pété la machine. Mais voilà. Donc, son jeu préféré, c'est un truc que j'ai pas là. Donc, voilà. Mais sinon, je me dis que ça passe hyper vite. Toutes les années qu'on a passées, toutes les choses qu'on a passées avec toutes les choses que j'ai. Ouais, mon père et ma mère, le week-end, quand elle la voyait. Elle la mettait dans ses bras et tout, c'était trop mignon. C'était un vrai amour du chat. Voilà comment on appelle ça. Avec moi. Donc du coup, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Ah oui, je vous ai pas montré des croquettes du coup. Sa nourriture, donc c'est des croquettes pour chaton parce qu'elle a 10 mois. Et c'est... Alors, je vais vous dire tout. Alors, c'est à la volaille. Oui, bon. Attendez. Est-ce que j'ai un appel? Non. Okay. À la volaille, aux légumes verts, au lait, poids net, 400 grammes. Pas le chat, hein, vous avez compris. Il parle tout simplement du paquet. Donc... Après, chez moi, il y a... Enfin, dans ma ville, il n'y a pas d'autre supermarché à part à Darnétal, mais c'est à côté. Alors, c'est Belle France, donc c'est de la sous-marque, un peu comme on pourrait dire. Non. Aliments complets pour chaton. Je vais vous dire. Bon, j'essaie de trouver. C'est à quel âge? De quel âge à quel âge? Âge du chaton, semaine, kitten, safe, âge, week-end. Week-end. Week. Alors, 10, 20. Alors, si elle a. Non, j'ai rien compris du coup. Bon, il y a à la volaille, aux légumes verts et au lait. Voilà. Et donc, protéines brutes. Brute, protéines, il y en a 40%. Matière grasse, brute, grute, frais, fat, 12%. Centre brut, 8,5%. Alors, additif, bon, j'ai pas écrit l'âge, j'ai pas ça, donc voilà. Sinon, j'ai ça, c'est. On va lui mettre le reste. Le reste. Trois croquettes. On lui met ça. Zut, j'en ai mis dans l'eau. Voilà. Il y aura quelques croquettes. Donc, j'ai Purina, c'est Friskies, au bœuf et au poulet. Voilà, Purina Friskies. Je vais vous lire le petit descriptif, comme on pourrait dire. Aide à soutenir les fonctions vitales. Bon, ça, vous n'avez pas besoin. Pour une bonne digestion
Là, oui, c'est écrit en autre langue en bas. Et nutrition complète et équilibrée. Au bœuf et au poulet. Donc 400 grammes. Et là, est-ce que c'est écrit pour l'âge? Aliment complet pour chat adulte. Ah oui, donc c'est pour chat adulte, mais moi je lui donne et ça lui fait vachement rien. Donc voilà. Donc du coup, likez, partagez et surtout abonnez-vous. J'espère que vous allez liker et surtout mettre des commentaires pour Coton. Voilà, bisous.